Bonjour à tous et bienvenue dans le flash rouge et bleu de ce vendredi 27 mars. Eh bien, je vous annonçais hier la mise en vente de 1500 maillots uniques afin de soutenir le personnel hospitalier. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il a fallu moins de 12 heures pour que toutes les pièces soient écoulées. Ce sont donc plus de 200 000 euros de bénéfices qui ont été récoltés et qui seront intégralement reversés aux hôpitaux de Paris et à ceux qui sont en première ligne pour combattre pour nous le Covid-19. Merci donc à tous ceux qui y ont très largement participé. Et bien comme chaque jour, les athlètes de la Maison Rouge et Bleue continuent de faire à domicile le programme sur mesure fourni par le club. On avait d'ailleurs déjà vu Marquinhos qui était très largement dans le dépassement de fonction avec sa fille. Aujourd'hui, ça ne me coûte rien de vous faire partager ce très joli moment de confinement en musique. Et bien chez nos Titi aussi, ça continue avec le programme très chargé entre l'école à distance et le programme physique fourni par les coachs d'ailleurs. Merci à Max des U15 pour cette petite vidéo et à Djibril des U14 qui se donne à fond à la maison. Eh bien, je vous avais parlé des différentes initiatives des ultras parisiens qui se mobilisent tous ensemble durant cette crise sanitaire. Pour en savoir un petit peu plus, je vous propose qu'on appelle aujourd'hui en visio Romain Mabille, le président du collectif Ultra Paris, qui pourra tout nous expliquer. Sinon, nous, sur PSG.fr et l'ensemble de nos plateformes, on va en profiter pour diffuser une Minute Club qu'on avait tournée il y a plus d'un mois auprès du CUP Solidarité pendant leur maraude pour vous prouver que eux, ils n'ont pas attendu cette crise pour montrer leur générosité. Eh bien, vous le savez, pendant cette période de confinement, le Paris Saint-Germain continue d'occuper les soirées de ses supporters. Ce soir, justement, la PSG Watch Party continue. On va revivre ensemble la finale de la Coupe de la Ligue de 2015 qui opposait le Paris Saint-Germain à Bastia. Pour ça, rendez-vous donc à 21h sur YouTube et sur Twitter pour la version française, sur Facebook et sur Twitch pour la version anglaise. Et ce week-end, parce qu'on ne vous abandonne pas, on se replongera avec vous dans l'EuroPSG. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous très vite dans un nouveau flash. Je vous souhaite un bon week-end. Faites comme moi, restez à la maison, prenez soin des vôtres. Et je vous laisse d'ailleurs avec le mot de la fin signé Bernard Lama. Salut à tous. Bonjour à tous, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain. S'il vous plaît, respectez les consignes. S'il y a bien un moment où il faut les faire, c'est bien maintenant. Adoptez les gestes barrières et nous nous retrouverons d'ici quelques semaines au Parc des Princes pour fêter les victoires de notre équipe favorite. Ok ? Tchambé Red, Amoulia qui Red. À bientôt. Abonne-toi au canal YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Inscrivez-vous sur le canal de Paris Saint-Germain YouTube. Cliquez ici.